Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons continuer notre vidéo. On était arrêté sur la vidéo numéro 5. Mais pour cette vidéo, on va le consacrer à la suppression. On avait ajouté dans la base de données, on avait listé aussi. Mais restait la partie où on va supprimer. On va, ici, on va supprimer un élément dans la base de données. Par exemple, si on voulait supprimer l'élément correspondant à l'identifiant 2, qui est le lait, le produit laitier et le can de 5, le produit de 16 ans alimenté. Donc, il va falloir qu'on clique sur ce bouton supprimer là pour pouvoir supprimer ce produit-là. Et ainsi de suite, si on veut supprimer un autre élément, il va falloir qu'on clique sur le bouton supprimer pour pouvoir supprimer ce produit. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, pour faire le code, donc, nous allons venir sur liste produit, sur le lien correspondant à la suppression ici. Donc la suppression n'a pas un formulaire pour supprimer. Donc nous allons simplement faire un lien pour faire la suppression. Donc on va faire le lien ici, dans cette partie-là, sur le lien supprimer ici. On va indiquer le lien qui nous permet de supprimer un élément. Et ici le code qu'on va mettre, on va le mettre à l'intérieur de Astref. Sur les guillemets. Donc, pour supprimer, on va solliciter le fichier contrôleur. C'est ce fichier qui permet de faire les actions pour la suppression. Donc, on va indiquer les chemins qui nous mènent vers le fichier contrôlé. Ici, contrôler et contrôler produit.php. Donc, on va mettre contrôler. Ici, contrôler. Contrôler chalasse. Contrôler. Contrôler produit. .php contrôler produit.php. Vous voyez bien ce fichier contrôler et cela c'est contrôler produit.php. Donc pour supprimer, on va venir ici sur ce fichier là. Donc qu'est-ce qu'on veut encore? On veut récupérer l'identifiant qu'on veut supprimer ici. Après avoir indiqué le chemin, donc nous allons récupérer l'identifiant qu'on veut supprimer. Ce sera d'ici, on vient ici sur cette page là. Donc si on veut supprimer le deuxième élément, donc il va falloir qu'on récupère l'identifiant correspondant à cet élément là. C'est l'identifiant c'est 2. Donc on va supprimer en se basant sur les identifiants. Si on veut supprimer l'élément 5, donc on va récupérer l'identifiant 5. Pour ce faire, si on clique ou bien si on pose la souris sur le bouton supprimer correspondant à l'identifiant 2. Donc vous voyez que en bas à gauche on a local subtuto dollar pass égale liste. Donc on veut récupérer l'identifiant correspondant à cette liste là. Donc pour ce faire, on va venir sur le code. Donc on va mettre dollar point d'interrogation limus point d'interrogation. Maintenant point d'interrogation, on va récupérer l'identifiant point d'interrogation ID. L'ID, on l'a nommé ID produit dans la base de données, je pense bien. Si on revient ici, dans notre base de données, tuto, la base de données se nomme tuto. Et la table produit. Voilà, c'est bien ça, c'est IDP correspond à notre variable. Donc on va mettre IDP égale. IDP égale. Égale quoi? Sur la liste, on avait mis les TH, c'est dollar four. On va récupérer la première identifiant correspond. Le premier identifiant correspond à four crochet 0. Si on va mettre ID égale dollar four. De la four crochet 0, on ferme le crochet. Voilà, on ferme le crochet. Donc on peut enregistrer pour voir. Il y aura un petit changement. Si on pose la souris sur le bouton supprimer, il va récupérer l'identifiant correspondant ici. On revient sur le navigateur. Si on pose une fois sur le bouton supprimer, il n'y a pas encore de changement. Donc on va revoir ici. Bon, il n'avait pas récupéré l'identifiant.
simplement la côté de Lyon, mais simplement on n'avait pas actualisé la passe ici. On avait oublié d'actualiser la passe. Pourquoi il n'avait pas récupéré Lyon de France? Si on actualise ici, si on clique sur le bouton actualiser, une fois qu'on met la souris, bien la souris sur le bouton supprimer ici, vous voyez ici en bas à gauche, on a local tuto et il a la partie directement dans le dossier contrôlé, contrôlé.psp, il a récupéré l'identifiant IDP égale 2. Si on descend encore, il a dit IDP égale 3. Si on descend ici en bas, il a dit IDP égale 7. Donc on a, si vous n'arrivez pas à récupérer l'identifiant qui correspond au produit, donc il ne faut pas continuer. Sachez que la suppression ne va pas se passer correctement. Donc, une fois qu'on a récupéré ici les identifiants, donc on est sûr que peut-être ce qui va suivre va être bien. Donc on va continuer notre procès. On a parvenu à récupérer les identifiants, donc on va passer à la requête qui permet de supprimer. Donc les requêtes, toujours on le met dans produit. Là, on va mettre les requêtes dans produit. Ici, on va définir une fonction qui permet de faire la suppression. La fonction, on le nomme fonction supprime produit. La fonction, on le nomme supprime produit. Et la fonction va recevoir comme paramètre, il va recevoir dollar IDF, il va recevoir le dollar ID parce qu'on supprime en se basant sur les ID. Une fois qu'il a reçu l'ID, donc on va définir la fonction qui permet de supprimer. Donc $SQL égale, pour supprimer la fonction SQL qui permet, ou bien la requête qui permet de supprimer, c'est delete from. On met delete from table. La table se nomme produit. From produit. Delete from produit. Maintenant, on va récupérer l'ID. On va définir l'ID. Where si l'ID. Where ID, see where ID P égale, where ID P égale dollar ID P, where ID P égale dollar ID P. Donc une fois qu'on a défini notre requête, on va appeler la fonction qui permet d'exécuter les requêtes, et tout ça c'est la fonction exécute. On va retourner la fonction qui permet d'exécuter. Retourne exécute SQL qui va recevoir dollar SQL point virgule à la fin. Donc voici la fonction qui permet de supprimer à la base de données. La fonction, on l'a nommé supprimer, et la requête c'est delete from produit where IDP égale dollar IDP. Ici retourne dollar exécute SQL. Une fois qu'on a fini, nous allons partir aussi dans le fichier contrôlé, puisque dans le href lien on a mis contrôlé produit. Donc nous allons venir ici pour tester est-ce que la variable IDF existe. Donc ici on va mettre if iset. If iset dollar get, parce qu'on va récupérer une identifiant, on ne va pas envoyer mais récupérer, dollar get id p, l'id du produit id p. Donc on va tester est-ce que cette variable id p là qu'on a définie ici dans la liste, est-ce qu'elle existe ici, IDP. Si cette variable existe, on va faire quelque chose. Donc on va
appeler la fonction qui permet de supprimer. Ce qu'il faut qu'il existe, on va appeler la fonction de suppression pour supprimer l'élément correspondant. Donc on va copier la fonction, je pense, c'est plus simple. Bien, la fonction, on l'avait nommée supprime. Supprime produit. Supprime produit. Voilà, supprime produit. Si je ne me trompe pas, c'était ça la fonction. Supprime produit. C'est ça, supprime produit. Supprime produit. On revient sur contrôler pour voir si on a pas fait d'erreur sur l'écriture. Voilà, supprime produit. On met un point virgule à la fin. Point virgule. Maintenant, à suppression, il va recevoir quelle variable. Donc, on va prendre encore le dollar get ID. Il va recevoir dollar get ID T, ce qui est en haut, ce qu'on va reprendre en bas. Il teste si la variable ID existe. Donc, la fonction suppression va recevoir cette variable-là, qui va chercher de l'exprimer. Maintenant, on va insérer cette code. On va revenir ici, insérer CTRL-S. On va partir dans le code pour voir est-ce qu'il a supprimé. Donc, on actualise. Donc, on va tester de supprimer la dernière, cette 10e élément. Donc, on clique sur le bouton supprimer. Voilà, produit contrôlé en ligne, undefined variable IDP en ligne 11, produit en ligne 11, à la ligne 11, IDP, ID, ok, ici on devait mettre ID, c'est pas IDF, mais c'est plutôt IDP, c'est ce qu'il a signalé comme erreur, contrôle S. Ici, on doit mettre ID P. Voilà. Donc, on actualise ici la page pour voir. On revient. On actualise. On essaie de supprimer le dernier élément. La dernière. Voilà. Là, on revient ici. Un petit problème. Essayer de supprimer la 6e. Voilà. On va revoir la requête. Est-ce qu'elle est bonne? Ici. Delete. Oh, ok, on a fait une erreur. C'est delete. Il n'y a pas de C. Delete. Donc, on va revenir ici. Voilà. Actualiser pour voir. On va essayer de supprimer la dernière. Voilà, on revient ici. Actualiser. Toujours, il y a une erreur. Mais il va toujours sur le fichier. Donc, je pense que la requête, il y a un petit problème. Delete. Je mets un hop var. Voilà. Delete. Je reviens ici. Actualiser la page. Supprime. Essayer de supprimer la 6e. Voilà, revenir ici, actualiser. Voilà, la supprimer la 5e et la dernière élément. Donc, encore si on clique sur supprimer sur la 6e, il a supprimé, mais il est parti sur cette fichier là. Il est parti sur ce fichier, contrôler.psp, il a récupéré le même. Mais si on revient, on actualise, on voit bien que la dernière est partie. Donc, nous voulons qu'une fois qu'on clique sur supprimer, donc il va nous rediriger encore sur cette page de suppression ici. Donc on va venir ici. C'est très simple. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons partir dans contrôler. Parce qu'une fois qu'on a cliqué sur le bouton de suppression ici, si on clique sur ce bouton-là, il va partir dans cette page-là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller dans cette page-là. On va voir, aller, dans contrôler. Maintenant, ici, une fois qu'on teste la variable, si la variable on va supprimer, s'il supprime, il reste dans la page. Mais nous voulons que si la variable est supprimée,
il va nous redisser dans la passe mis produit. Donc et on l'avait défini dans la vidéo précédente, on met un CTRL-C simplement, on le colle ici. Après suppression, nous allons dire qu'il faut aller vers la passe liste. Donc une fois qu'il a supprimé l'élément, donc il va repartir dans cette passe là. Localhost HTTP, localhost tuto, dans la passe égale liste. Et donc on va insérer. Donc nous allons revenir ici. On va actualiser. Voilà. Maintenant, une fois qu'on supprime cet élément-là, il ne va plus dans la passe contrôlée, mais il va rester dans la passe liste. Donc, on va essayer de supprimer la première, du moins, supprime. Voilà, il a supprimé, il n'a pas quitté la passe. Il a supprimé, il reste toujours sur la passe. Donc, une fois qu'on clique sur ce lien, on voit bien ici qu'il a supprimé, et il reste dans la passe. Donc, c'était tout cette vidéo. Donc, à la prochaine. Nous le consacrons à l'autre bouton, le bouton 2 qui va correspondre à la suppression, bien la modification filtre. On a ajouté, listé, donc on a supprimé. Donc la vidéo prochaine, nous allons essayer de modifier l'élément. Mais si on ajoute un élément, débellé, on met café, on met sucre, du moins. Description, on met produit, quantité, on met 7, prix unitaire, on met 600, produit alimentaire, voilà, on ajoute, bien alimentaire, on fait comme ça, on voulait écrire alimentaire, mais on a remarqué qu'on a fait une erreur ici, alimentaire, donc on ajoute. Donc il a mis produit, sucre produit 7, 600, alimentaire. Mais nous voulons ici modifier aliment en mettant alimentaire. Donc c'est pour cela qu'on a mis ici la bouton sur modification. On clique sur ce bouton pour essayer de modifier aliment, pour mettre alimentaire ici. Donc la vidéo précédente, on va faire ça. Donc à la prochaine, Inch'Allah.